Selon le journal Maka, c'est Vinicius qui a ballon d'or 2024 là, 28 octobre qui a fini là. Pour qui ça, c'est Vinicius? Tant que là, notre joueur va mériter tout le même. Tant que l'Otao, Rodri, Bellingham, Carvajal. Next, on va travailler pour saison 1. Kounya là, est-ce que Vinicius mérite vraiment ou bien il va mériter? Et bien, ça, presque fait. Moi, j'ai besoin de quelques bons analyses sur ça. Bon matin de journalistes Haïti Tempoa, Childo Geoffroy, dans la deuxième sortie de Rubik Chouapam, ballon d'or saison 2023-2024 là, sous Banche Média. Qui pourrait dire qui est-ce qui t'a supposé remporter différents prix UEFA, si tout ballon d'or 2024 là? Childo, comment est-ce? En forme. En forme. Nickel. Ok. Ou même vous qui sont là, je dis. Bon, bien sûr. Ou là, dans le cadre rubrique pour le bail choix pour ballon d'or saison 2023-2024. Là. Ok. Avant de continuer, Childo, qui te dit, Mounio, nous avec Childo Geoffroy, qui est journaliste Haïti Tempo, qui anime Tempo Sport. Qui donc, ou parlez pour le bail meilleur jeune joueur sous ta bail, c'est qui est tapé, meilleur gardien, pour bail meilleur entraîneur. Vous font 11 de l'année et vous classez ballon d'or de 3 jusqu'à 1. OK. Vous parlez? Parlez. Maxime, Sébastien, let's go, on aller. Chilo, sans plus tarder, nous allons aller pour coach. Si vous avez le meilleur coach de l'année, c'est qui est stable. Bon, c'était au bout. Nous gagnons Xabi Alonso, nous gagnons Ancelotti, nous gagnons Luis de la Fuente, nous gagnons Guardiola, nous gagnons Scaloni. Pour vous-même, qui est-ce qui mérite le titre meilleur entraîneur? Pour qui ça ou ta balle? Bon, je vais aller direct parce que la saison était longue. Nous avons travaillé chaque coach, nous avons vraiment résultat équipe. Je pense que Xabi Alonso était vraiment exceptionnel avec Leverkusen. C'est plus que 50 matchs côté que pas de jambes perdu. Je pense que le travail nécessite une récompense et Xabi Alonso, c'est pour moi le meilleur coup de saison. Xabi Alonso, vous-même, c'est meilleur coup de saison. Devant Ancelotti, devant Luis de la Fuente même. Ok, bon, je pique une petite question. Si vous avez Ancelotti qui est champion, Ligue des champions, qui prend Liga, qui fait 2 sous 3. Et pour qui ça, vous ne mettez pas comme étant donné meilleur coach de la saison 2023-2024. Si on regarde l'effectif, Real Madrid, c'est quand même de loin la meilleure équipe du monde par rapport à Leverkusen. Donc c'est plus facile pour mener Real Madrid au bon port que Leverkusen, qui c'est une équipe quand même que nous pas trop venu. Et puis, on regarde le travail, 50 matchs, on joue Ligue Europa, on joue Championnat d'Allemagne, face quand même des équipes très, très intéressantes. Comme Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, et puis ou pas perdu. Je pense que faut que nous regardions les résultats ou bien bilan comptable équipe, mais plutôt garder la qualité du travail. Oui, la qualité du travail, mais et c'est le titou, je peux dire qu'il a perdu en pile joueur au commencement de saison Real Madrid. Enfin, pas bien ça. Ouais, ouais. C'est vraiment difficile vous. Pour lui. Donc, je peux dire, et pour meilleur coach choisi, c'est Xabi Alonso. Ok, on va aller pour Pricopa. Pricopa, c'est ça, nous, les meilleurs jeunes joueurs. Nous avons un pile joueur qui vraiment été exceptionnel pendant la saison 1. Nous avons plusieurs noms, même là, nous pas bailler tout. Nous avons Garnacho, nous avons Gouleur, nous avons Konaté, nous avons Neves, nous avons Savinho, nous avons Yamal. Et pour même, qui est-ce qui mérite titre ça, qui est-ce qui t'a supposé remporter et pour qui ça? Bon, je ne vais pas dire à l'unanimité, mais en fait, Yamal, je dis, c'est le meilleur jeune joueur au monde. Pour ne pas dire, on est le meilleur joueur au monde. Donc, façon que l'été illuminé Coupe d'Europe là, c'est un bagage tête chargée. Et puis, au cas des saisons au Barça, c'est une saison quand même qui était vraiment satisfaisante au vu de la performance. C'est vrai, pas de gain pile statistique. Par exemple, quand Liga, c'est 5 goals. Mais je dis, il n'y a pas photo. Il y a mal, c'est le meilleur jeune joueur au monde. Okay. De loin, de très loin. De très loin. Ouais. Donc, ça, m'accepte. Vous d'accord sur ça? D'accord sur ça. D'accord. On va d'accord sur Xabi Alonso? Bon, tu vas d'accord, non, mais pas. Okay. Donc, vous avez fait deux choix. Ouais. Xabi Alonso, meilleur coach. Yamal, meilleur jeune joueur. On va aller pour trophée Yashin. Yashin, c'est ça, nous relie. Meilleur gardien. Meilleur gardien. D'ailleurs, c'est le gardien qui gagne ballon d'or. Qui gagne ballon d'or. On va aller. Nous gagnons Donnarumma. Nous gagnons Martinez. Et Emiliano Martinez. Nous gagnons Unai Simon. Nous avons Yann Sommer et puis l'autre encore. Donc, pour même, 28 octobre, c'était une place France Football qui reste à trophée Yashin, saison 2023-2024. Là. Ça paraît un peu difficile. C'est difficile. Mais en fait, je vais regarder City, saison City, Real Madrid, c'est des Lounin, parce que Thibaut Courtois a fait toute saison blessé. L'Espagne, c'était Unai Simon, Yann Sommer avec Inter. Ah, c'est une saison difficile pour me choisir. Gardien de l'année, même parce que je vais aller vers Yann Sommer.
parce que me garder performance sous Calcio c'était bon et José Mbappé c'est un meilleur goalkeeper. M'pas cracher sous Dibu Martinez ou bien sous Unai Simon qui était très bon pendant l'été, même parce que Yann Sommer son gardien nous pas assez parlé de lui qui est très sous-côté. Okay. Parce que Yann Sommer c'est avant aller dans deux dernières questions yo pour qui ça est Yann Sommer n'est pas Martinez qui c'est un gardien qui est en 30 Ballon d'Or. Ballon d'Or là. Pour qui ça dit pas ça. L'Argentine gagne Copa América. Est-ce son irré? M'pas dit ça non. M'pas dit ça parce que nous ouais deux trois dernières années yo Dibu Martinez c'est quand même yo nommé au joueur Argentine pour m'pas dire l'âme fatale même parce que souvent Argentine arrive dans séance de tir au but et même pense que avec Aston Villa c'est une très bonne saison aussi parce qu'il finit dans top 4 championnat. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'arguments solides pour me aller vers Dibu Martinez. Mais en fait, Yann Sommer était vraiment bon tout sous saison 1. Même si Inter, sur le plan continental, pas prouvé grand-chose, comme à l'accoutumée, bien sûr, mais Yann Sommer était très bon. Mais pour faire Yachin, en fait, pour moi, c'est un peu difficile pour me choisir, mais je pense que je vais aller vers Yann Sommer. Yann Sommer, pas de problème. Maxime, nous allons entrer dans 11 idéales. Je vais vous afficher sur l'écran. OK. Donc nous on 11 joueurs là. Chido, nous on Yann Sommer a toujours été attaquant. On gagne Grimaldo à gauche, on gagne Carvajal à droite, on gagne Rudiger Saliba pour qu'il soit fait choix de défense. Et nous on pile absent. Ouais, t'as coup. L'autre diable c'est t'as coup. Walker qui va là et pour qui ça gagne Matoumels qui va là. Matoumels tout. Matoumels pour qui ça. Bon, et Saliba je dis c'est pour moi même meilleur défenseur. Au monde, okay. Ça c'est avis pam. Bon voilà, championnat anglais à Noël, défense nationale là son défense de fer. Saliba et Gabriel Magalhaes, moi c'est que monsieur c'est vraiment patron défense nationale là. Okay. Et l'étape difficile en plus pour m'a fait 11 saisons pour me permettre Saliba, même si en Ligue des Champions Matoumel c'est pour moi meilleur défenseur sur exercice ça, même je préfère Saliba à Oumels. Et puis l'autre monde qui accompagne là c'est Rudiger. Noël Rudiger c'est quand même un défenseur très sérieux, décisif dans les grands rendez-vous avec le Real. Moi, c'est que c'est quand même duo ou bien charnière, moi, c'est deux mondes. Et puis, Cavani à la droite, c'est normal, c'est logique. Vainqueur de Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro. Et puis, à gauche, Malé vers Grimaldo. Et Auréolé, récompensé par sa saison à Liverpool. Il a affiché ce record. Ouais. Ok, Mutante, vraiment pas de problème. Rodri comme 6, et puis, il a gagné Bellingham Kous, même les gagné quelques absents, quand même. Il m'a accepté. Rodri, c'est potentiel Ballon d'Or. Ah oui, ça, non, 11 idéal, un gros problème devant. Pour qui ça, c'est Lautaro Martinez, n'est pas Harry Kane ou Kylian Mbappé. Et au gagné devant, c'est Vinicius et Lautaro et puis Foden. Ouais, bon oui, Vinicius. Pour qui ça, pas Kane. Je vais même parler de lui. Il était capable Kane, il était capable Kylian Mbappé. Mais parce que Lautaro Martinez, individuellement, quand même, c'était un joueur, c'était le meilleur joueur Calcio. Et c'est vrai que nous, quand c'était goal, il fait sous saison 1, Mbappé tout. Mais on ne parle pas de chiffres seulement. On regarde la qualité ou du moins comment tu as aidé l'équipe pour remporter le trophée pendant la saison. Là, Lautaro, en Italie, c'est Coupe, Championnat avec Argentine aussi. Il a gagné Copa América avec quand même et des matchs intéressants côté qu'il était décisif. Moi, c'est 5 goals, il fait dans Copa América, c'est quand même le meilleur buteur en compétition. Okay. Donc voilà. Voilà. Maxime, Sébastien, on est soufflé. Nous allons entrer pour Ballon d'Or. Ok, Childo, nous revenons dans un moment vérité pour bail qui est ou t'as remettre Ballon d'Or là, 28 octobre, si c'est vous-même. Qui choix pour Ballon d'Or ça? On peut faire une liste, on peut classer le 3e jusqu'à ce qu'on fait du 3, 2, 1. Allez, tu vas bon 3e, non, bon 2e, et vous dites premier, mais qui m'a fait Ballon d'Or? Ah, ça sent bel examen. Ok. Bon, on va commencer dans 3. Pour me venir dans 1. Je pense que en 3e position, bon, comme tout le monde connaît, toi, puis vos favoris Ballon d'Or année ça c'est Vini, Bellingham, Rodri. Bon, de loin, parce que Vini, c'était quand même une saison exceptionnelle avec Real Madrid. Et même en 3e position, m'a metté Jude Bellingham. En 2e position, m'a metté Rodri. Et puis en 1e position, m'a metté Vinicius Junior. Je pense que c'est un rare footballeur qui retait, je dis, hein, cap ban au spectacle. Parce que le football a changé, je dis, hein, football a perdu essence. Donc, si on gagne joueur au monde, je dis, hein, on soliste tout le monde, cap ban au plaisir, spectacle, c'est Vini. Et puis avec Real, c'est joueur qui potait, qui plan vers la Ligue des Champions. Donc voilà, Vini, Ballon d'Or. Vinicius, Ballon d'Or pour Childo Geoffroy, journaliste Haïti Tempo. Merci Childo. Merci. Donc c'est un plaisir pour nous te dire on a rubrique ça pour jeudi. Qui t'aime dit Mounio, Childo Geoffroy, c'est le deuxième monde qui passe dans la rubrique ça, qui c'est saison 2023-2024. Ballon d'Or, Simta Bali, c'est qui est, choix pas. Vous êtes connecté pour qu'on qui est venu dans la troisième rubrique.